Et salut tout le monde, ici le Ch'ti Player et bienvenue dans le quatrième épisode du Let's Play de Ratchet & Clank sur PlayStation 2. Bon, alors on est reparti après l'épisode précédent où nous avions... what the hell? Il y a un petit bug de touche. Je sais pas, j'ai appuyé à droite, il est parti à gauche. Donc allez comprendre. Oui, donc je disais après l'épisode précédent où nous avions récupéré le Swinger sur... Je regarde, il n'y a pas de nouvelle arme. Hein. Nous avions récupéré le Swinger sur la planète Kerwan. Donc maintenant ce Swinger va nous permettre de faire une partie de ce niveau que nous n'avions pas pu faire la dernière fois. Meurs. Non mais. Donc ici on va on est revenu sur Aridia pour faire la phase. Ouais, vous voyez, pour les regarder ça, c'est pas terrible le. C'est mieux de les faire cramer. Bon, l'ennui c'est que je viens de me faire plein de. Alors ça va être con, je me suis touché deux fois, mais du coup regardez, j'ai plus que 2 points de vie. Heureusement il y en a un là tout de suite. Oui, donc je disais, dans cet épisode on va commencer ici à Aridia pour sur Aridia plutôt, pour faire la phase du Swinger. Et on ira aussi chercher le boulon en or que je vous avais montré là. Oh mais lâchez-moi, bordel de fiotte. J'ai pas envie de trop utiliser mes munitions parce que bon. Par contre, je suis franchement mal positionné par rapport à l'écran, ça me gêne. Je sais pas pourquoi, pourtant je tourne dans les mêmes conditions que les trois premiers épisodes, mais ça me gênait pas maintenant, ça me gêne. Allez comprendre. Bah le truc c'est que mes pièces sont toujours pas terminées de ranger comme je le veux, puisque maintenant avec le boulot et tout le tralala, j'ai franchement pas le temps de le faire. Donc en fait du coup je suis toujours de... En fait je fais toujours mon tournage en décalé par rapport à la télé. En fait grosso modo je tourne sur la télé, mais je suis assis devant le PC. Donc imaginez un peu la chose. Alors c'est parti. Munissons-nous de notre Swinger. Maintenant on va s'éclater. Je regarde des fois qu'il n'y a rien de planqué en bas. Ça se pourrait. Évidemment, l'hélipack nous aide grandement à faciliter nos atterrissages. Ouais, la visée précise du Swinger, je pense que je vais quasiment pas l'utiliser, hein, parce que franchement, même en l'utilisant pas du tout, ça pose absolument pas de problème. Si tu le souhaites, tu peux inverser les commandes de ta caméra. Pour cela, sélectionne caméra dans le menu options. Bon, c'est peut-être un peu tard pour nous le dire, hein, vous pensez pas? Ah. Il y a un pépin là. Bon, là j'ai crevé. Parce que évidemment je peux pas remonter, donc voilà. Vous voyez, troisième, je peux plus ressauter. Donc qu'est-ce que j'ai loupé? Là c'est possible que j'ai loupé une suite de Swinger qu'on voyait pas bien. C'est pas impossible. Alors on était là, hein. Mais tu te fous de ma gueule, c'est sur celle-là que je voulais tirer tout à l'heure. Oh, je te jure, en fait j'ai rien loupé du tout. C'est juste que ça a pas voulu marcher pour une raison obscure. Alors, les tapis roulants, on va éviter de rester collé dessus, ce serait cool. Alors on se balance beaucoup, hein, sur cette planète. Regardez l'œil, là, la cible elle était pas dans l'écran, ça a marché ou quoi. Non mais allez comprendre quoi. Attention, on va tout faire péter. Bon là, je vais redescendre, c'est plus sûr. Pourquoi je saute à chaque fois? C'est complètement stupide, ça sert à rien. C'est pour faire style. Attention, ici ça commence à être un petit peu plus corsé. Bon, bien que ça reste extrêmement accessible. De toute façon, ça va. Le gameplay du jeu est franchement pas très compliqué. Hein. La prise en main. Par contre, la caméra, des fois, elle a quelques problèmes, mais bon. On va dire qu'on est en 2002, c'est encore pardonnable. Ça reste quand même assez peu fréquent.
Donc nous voici arrivés à notre objectif. Alors là vous vous dites, mais attendez, pourquoi il y a une cible là? Vous allez comprendre. Ouais. Super. Et je viens de récupérer un crocheteur. Non, regarde, trop, tu me fais pas de la description. Bon alors tout simplement, il y a la cible de Swinger là. Parce que tout simplement, il y a cette plateforme en contrebas. Avec un petit boulot en or. Et j'ai encore fait bugger le trigger. Voilà. Donc maintenant qu'on a récupéré ce boulot en or. Là par contre la visée j'en ai besoin. Parce que là... Là c'est vraiment un des seuls endroits où la visée de Swinger vous en avez besoin. Là faut que j'attende que ça tourne. Et dès qu'elle est à portée... Ouais. Alors le crocheteur, vous allez avoir une démo tout de suite. Voilà, je mets sur ces espèces de cibles bizarres au sol. Je sélectionne mon crocheteur. Là, vous voyez, elle devient vert. Et je peux appuyer sur le rond pour l'utiliser. Les verres sont disponibles sur chaque cercle du super verrou. Vise les récepteurs situés sur le cercle extérieur avec les lasers pour les faire passer au vert. Tous les récepteurs doivent être verts pour ouvrir le super verrou. Alors, donc vous avez vu une explication vite fait. Donc, vous voyez, il y a des espèces de petits bidules avec des rayons jaunes là, qui partent. Et si j'appuie sur, par exemple, j'appuie sur droit, vous voyez, ça tourne. Et je peux utiliser... Utilise le joystick analogique gauche. Ça va. Déplace-le vers le haut ou le bas pour sélectionner le cercle à activer et vers la gauche ou la droite pour le faire pivoter. Oui, en sachant que les flèches avec les flèches directionnelles, ça marche tout aussi bien et c'est d'ailleurs même mieux. Donc haut pour partir vers l'extérieur et bas pour partir vers l'intérieur. Donc ensuite, vous avez un peu compris le système. Bon, là, la serrure est simple. Hop. Voilà. Mais vous verrez que plus tard dans le jeu, il y aura des serrures très complexes. Et j'exagère à peine en disant ça. Là, c'était très facile. Oh là là, on redescend. Donc le crocheteur nous servira pour plus tard. Hein. J'ai bien fait de venir le chercher parce que sinon, on aurait pu être bloqué. Bah, je crois d'ailleurs, je me demande sur la planète si sur la nouvelle planète qui nous attend, il n'y en a pas besoin justement. Alors maintenant je vais aller vite fait chercher la... Chercher le boulon en or. Que je voulais aller chercher. Tiens, meurs. Bon, on va tracer un petit peu plus hein. J'ai visé comme un pied. Oh lol, ça n'a même pas fait exploser les caisses. Alors on descend tout. Non, je trace, laissez-moi tracer. Merci l'ennemi d'avoir ouvert la caisse de munitions pour moi. C'est sympa. Alors donc souvenez-vous au niveau de la carte hein, le boulon en or que je dois aller chercher se trouve sur ce gros machin au milieu là. J'aurais peut-être dû passer par l'autre côté en fait, je suis bête. Évidemment, est-ce que je vous ai montré qu'on pouvait utiliser les caisses comme escalier? Je crois que je suis pas venu ici la dernière fois. C'est impossible. C'est parti. Ah merde. Bon tant pis. Au moins ça m'aura épargné une partie d'échelle. Alors donc là c'est pour aller parler à l'agent de Skid. Sauf que moi je dois plutôt aller par là-bas. Regardez, vous voyez là, il y a une partie où il n'y a pas de barrière. Vous êtes bien d'accord? Remarque, je peux aussi l'avoir de ce côté là. Donc je vais me servir de l'hélipack. En extenso évidemment. Voilà. C'est tout simple. Ensuite vous n'avez plus qu'à sauter normalement. Et voilà, donc là regardez, on est carrément sur... On est bel et bien situé sur une zone censée être inexplorable. Voilà, il y a des engins, ça sert à rien, mais
C'est vraiment du décor en même temps, hein. Sauf que cette partie du niveau, c'est pas seulement du décor, c'est aussi, comme vous pouvez le voir juste là-bas, un petit boulon en or en plus. Ce qui porte, si je me trompe pas, le nombre de boulons en or dans ce niveau à 3. Bon. Maintenant, faudrait juste regagner le vaisseau. De quel côté? Bah, pas de ce côté-là. Parce que le vaisseau, il est là-bas, j'aimerais bien y retourner. Alors, j'utilise ma petite astuce pour aller plus vite. Alors là, c'est peut-être faisable. Oh, ça va être chaud, non. Non, non. Putain, ça me re... Oh, ça me remet là. Ça peut servir. Hop, j'utilise pas l'ascenseur, hein. Ratchet peut faire une chute de 3000 mètres, il reste vivant. Il est immortel, Ratchet, en fait. Enfin, il est immortel aux chutes. Le reste... Puisque maintenant, ici, sur cette planète, il nous reste juste à aller parler à l'agent de Skid quand on aura gagné la course d'Overboard. Sauf que, ben, on l'a même pas encore croisé, la course d'Overboard. Donc, c'est bon, je peux me partir, je peux me barrer. On a combien de temps? 12 minutes, ça va. Donc, destination, le site forestier de Dora. Attachez bien vos ceintures et profitez de votre voyage. Oui, je continue à faire mon agence de voyage improvisée. Ouais, plutôt charmant. Ça devrait convenir à merveille. Commandant, nous en avons fini avec ce monde. Remorquez notre planète vers sa prochaine destination. Lieutenant. Oui, monsieur. Vous avez atteint votre quota d'arbres. De justesse. Nous sommes prêts à retourner à la base. Pas si vite, lieutenant. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent profiter des arbres dont nous n'avons pas besoin. Détruisez absolument tout. Drake, je te hais. C'est la terre brûlée, hein, chez le président Drake. Hein. La terre brûlée, la politique de la terre brûlée. Bon, bon, donc on va essayer de sauver ce qui reste d'arbres. Grosso modo. Ah bah regardez. Robot bûcheron, au revoir. Bon. Donc on va essayer de prendre les choses à peu près dans l'ordre. Donc là, il y a une, voilà, une petite zone avec un crocheteur. Regardez. C'est court, évidemment. On va commencer par ça tout de suite. J'aime bien faire les trucs secondaires en premier. C'est rigolo. Bon là, vous voyez par exemple là, les lasers, il y en a plus qu'un par, par anneau. Maintenant il y en a deux en même temps, donc faut que j'y fasse attention. Donc évidemment vous pouvez voir que les deux rayons sont l'un à côté de l'autre. Donc je vais prendre deux cibles qui sont l'une à côté de l'autre. Voilà. Après le reste, ça reste extrêmement simple. Ouais, la musique est sympa. Oh, j'ai un peu merdouillé. Ouais, regardez la texture qui bug. Ah, ça j'adore. Regardez. Regardez, je l'avais bien vu. Je suis pas complètement aveugle. Ce rocher est vivant. Il y a normalement des sables swingers dans le coin. Ah bah y'a ça, des crans au boulon. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. On les avait pas vus depuis depuis nos valises. Donc ça y est, les voilà enfin les cibles swingers. Et hop. Donc ici il faut bien faire tourner votre joystick, hein, pour que Ratchet continue à tourner, hein. Hop, voilà, pas de problème. Pour l'instant c'est une formalité. C'est tout juste. Oh là, je suis mal barré. Ça va, je me suis accroché.
Non, mais on sait jamais parce que des fois il arrive que Ratchet bug un tout petit peu et qu'il s'accroche pas. Hein. Bon, en général, ça fonctionne plutôt bien. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Voilà, des Sinusungers en plus. Oui, le câble extensible. Voilà, donc on est. Regardez, on est déjà arrivé à la fin du parcours. Hein. Il me suffit juste d'ouvrir cette serrure là. Alors, ah là, ça se complexifie. Regardez le truc bleu qui est sur cet anneau là. Ce truc bleu est un truc qui bloque les lasers. Donc, regardez par exemple, si j'en dirige un vers lui, regardez, vous voyez qu'il est arrêté. Donc voilà, celle-là, ça commence à complexifier un petit peu. Donc imaginez quand il y aura des serrures plus tard dans le jeu où vous en aurez plein de ces trucs-là. Parce que du coup, faut en prendre compte. Voilà. Je vais tout faire péter directement, ça ira plus vite. Voilà. Bah, tiens, regardez qui voilà. Hey, tu l'as super impressionné. Il semblerait en effet. Votre emploi actuel vous laisse un goût amer dans la bouche? Alors rejoignez-nous à STB, la station de recherche tactique Blarg. Bonjour, je suis le président suprême Drake. Et à STB, nous avons besoin de personnes vraiment motivées pour occuper les postes suivants. Testeur de glissobot. Technicien de montage de givre. Éleveur d'animaux mutants. Réparateur de robots. Cobaye pour aspirer au canon. Et assistant administratif. Avec STB, construisez des armes tout en construisant votre avenir. J'appelle STB dès aujourd'hui. Assez parlé. Dis donc, tu as vu tous les super gadgets qu'ils fabriquent? Si on allait se servir. Il faut continuer à chercher le capitaine Quark. Ouais, tu as tout à fait raison. Je sais. Ok, d'accord, il faut trouver Quark. Mais quand ce sera fait, ce serait bien de pouvoir lui dire où se trouve le président Drake. En effet. Bon, allez, en avant. On va aller voir les scientifiques de la station spatiale. Ils travaillent pour Drake. Ils doivent bien savoir où il se cache. Je ne serai pas si affirmatif. Oh, tu réfléchis trop, tête de boulon. Allez, on y va. Ouais, bah ça a été vite pour trouver un inforobot, hein. Donc, évidemment, le gros robot, c'était le fameux lieutenant, hein. Donc j'ai envie de dire gros lol, hein. Donc je ne sais pas entre la clé de Ratchet ou la petite danse de Clank, lequel des deux lui a fait le plus peur. Ça restera un grand mystère. Bon, on va quand même se faire le plus gros du morceau, hein. Ça serait bête d'être venu pour si peu. Oui merci, j'ai touché la caisse, hein. Je sais même plus combien de boulons on a ici. Je sais même pas si dans le menu on peut le voir. J'ai pas l'impression. Ah bah des petites caisses cachées, ça peut toujours servir, bien que juste pour quelques boulons, bon. Mais comme je l'ai dit, comme les boulons sont assez restreints dans ce jeu. Alors voici de quatrième arme, le gant ravageur. Bon bah sauf que perso, regardez la description. Je trouve pas cette arme super utile. Donc du coup on va garder nos 7500 boulons. Ça commence à coûter cher, hein. Pour un truc pas franchement des plus utiles. Enfin à ce stade du jeu c'est franchement pas utile. Donc pour l'instant on va restreindre notre achat. Donc on va s'occuper de ce boulon qui fait apparaître le pont. Oh putain, il m'a vu. Mais moi aussi je t'ai vu. Tiens. Il y en a un autre. Mourez tous autant que vous êtes. Oh, il meurt plus vite, c'est l'avantage. Il y a un intérêt à aller par là. Y a-t-il un intérêt à aller par ici? Y a pas trop l'air, hein, puisque là la plateforme là en face elle est trop loin. Y a pas de Sipswinger. En même temps en face c'est la fin, hein, donc c'est logique qu'on ne puisse pas y aller directement.
Par contre, il y a une question que je me pose. Il me semble qu'il y a un point de compétence si on abat quelques robots bûcherons. Alors, je vais essayer de me mettre à un endroit stratégique. Et on va essayer. Par contre, pour pouvoir faire l'essai, ça serait bien que mon arme soit à peu près pleine. Ouais, 188, ça ira. Alors, on va se mettre sur le sommet du pont. Voilà. Boum. Alors, où sont nos engins? Ah, c'est trop loin, là. Ah, putain, c'est déjà trop loin, là. Putain, c'est trop, là, en fait. Ah, lui, par contre. Et deux. Trop loin, ça. En plein qui devrait passer à me porter. Ou pas. Toi par contre. Eh, j'en entends un près de moi. Allez, t'es à portée là. Alors je sais que ça a pas l'air super passionnant ce que je suis en train de faire. Mais... point de compétence sur ça. Alors c'est vrai que ça a l'air super con ce que je fais du coup. J'allais dire, il est tout prêt là. Voilà, un point de compétence. Je l'avais bien dit. Quand même pas complètement dingue. Tiens. Le point de compétence qui me semble, c'était peut-être pour une dizaine. Une dizaine de ces engins. J'allais dire pourquoi ils ramassent pas ma munition. Tiens, dégage-toi. Alors, y a un petit truc planqué. On va faire descendre cette plateforme. Et juste apparaître des caisses, tu parles de l'utilité. C'est même pas un... En fait c'est un renfoncement caché, mais c'est même pas un secret en fait. Donc bah juste gros lol quoi. Alors je suis où sur la carte? Ouais, il reste quand même un peu de travail hein. Non, parce que je vois mon timer avancer, puisque je suis à 26 minutes sur ma capture. Hop. Boum. Alors, ça fait encore apparaître un pont ce truc là. Hop. On va me choper les boulons en route. Il y a quelque chose à ce niveau de ce truc. Oh putain, j'ai failli tomber dans le vide. Idiot. On va poursuivre. C'est vrai qu'il y a des arbres de coupé de partout. Ouais, fais pas genre je t'avais pas vu. Boum. Eh oui, tous les moyens sont bons pour tuer les ennemis. Oh putain. Alors ça c'est chiant. C'est chiant quand vous avez des ennemis qui peuvent vous tirer dessus. Voilà, je me suis fait avoir. Et que vous voulez utiliser la sélection rapide pour prendre une arme, bah vous êtes niqué. Parce que pendant que vous pouvez plus bouger parce que vous êtes en train de choisir votre arme, bah eux ils vous tirent comme des lapins. Bon, apparemment la suite c'est par là. Ouais.
C'est bizarre, en fait, quand vous regardez la carte comme ça, ça fait toujours plus grand que ce que vous avez vraiment en fait. Mourez tous autant que vous êtes. Mais quel con. Franchement, quand je me mets à pas faire gaffe, ça fait partie d'un des ennemis qui me touche le plus facilement. D'accord, si tu veux éviter de te coincer. Il y en a un qui rit là. Il est où? Eh, là-bas. Allez, on récupère notre vie. Je crois qu'elle est là, ça ne sert à rien. Et il y a bien... En fait, je regarde un peu parce qu'il doit avoir bien avoir au moins un boulon en or qui traîne quelque part. Mais elle le trouve pas. En même temps, après, le jeu, je le fais pas à 100%. Hein, donc, à vrai dire, c'est pas un drame si je trouve pas des boulons en or. Alors, on va commencer par faire un petit tour là-haut. Il y a des munitions qui tombent mais qui se ramassent quand même. Voilà. Comme d'habitude, vous le voyez avec la. Avec le coup vertical, c'est one shot. Ça a un nom de faire ça, hein, mais je me souviens plus. Putain, me fait chier. Putain, avec ce genre d'ennemi, la meilleure solution pour sélectionner votre arme, c'est de passer par là. Parce qu'au moins, quand vous passez par le menu de pause, le jeu est frisé. C'est au moins l'avantage. Par contre, là, je vois qu'il y a un petit chemin alternatif. Oh, mais je suis vraiment mauvais, là. C'est des soldats blargues, hein, ces trucs. Hein. Putain, je suis presque dans la dèche, là. Mais là, pareil, c'est pareil, il y a un renfoncement. Il y a un renfoncement, genre vous allez trouver un secret, mais non, il y a rien en réalité. Donc la suite, c'est par là. Mais merde, je suis encore fait toucher. Alors, en tout cas, tiens, j'en profite. Regardez ce qui se passe quand je bouge pas et que j'ai plus qu'un point de vie. Oh, Ratchet, il est fatigué. Bon là par contre je suis vraiment dans la merde, là je me fais toucher une fois c'est mort. Oh il y a de la vie là au-dessus apparemment. J'ai 28 minutes. J'ai le temps de finir tranquillement cette... Mais vous montez comment comme ça? J'ai le temps de finir tranquillement la planète. Voilà, dès que je me mets les pieds sur la plateforme elle remonte. Boum! What the hell? Attends! What the hell? Je viens de ramasser des munitions pour une arme que je n'ai pas! Gros lol! Non mais gros lol! Le gant ravageur, le truc que j'ai dit que j'allais pas acheter! Il m'a donné une munition de gant ravageur, je l'ai pas! C'est quoi ce bug? Tiens, toi dégage! Ah, on peut monter par là. Bon, j'espère que là au moins il y a un petit secret. Mais même pas. Mais c'est vraiment de l'arnaque. Mais pourquoi t'as encore cette arme là? Mais tu crois que je vais venir? Je vais t'envoyer ça plutôt, ouais. Non mais pas de ça chez nous. Bon ça va, ici j'ai quand même de la vie un peu partout hein, parce que j'avais plus de vie et maintenant je suis plein. Il faut faire gaffe quand même parce que juste 4 points de vie ça va très vite hein, des fois. Ah d'accord, j'allais dire, je croyais qu'on était à la fin, merde.
Ah ouais, en fait, quand je fais l'extenso, tant que vous restez appuyé sur R1, il continue à... Enfin, il fait pas le... la glissade. Allez, je fonce dans le tas. Des fois, faut y aller comme ça. C'est ça que j'aime bien avec le plasma mitraille, c'est que c'est une arme rapide. Du coup, c'est très efficace parfois. Parce que la bombe, elle fait plus de dégâts, mais elle est quand même assez lente. Puis après, le pyrolanceur, c'est plus une arme de, c'est plus une arme de combat au corps à corps. Hein. C'est pas une arme à distance, c'est ça que je veux dire. Oh. En même temps, eux, ils bougent pas, donc. C'est quoi ce rire de merde en plus? Voilà. Fin du problème. Voilà. Génial. L'aspiro canon Gadgetron peut aspirer plusieurs ennemis, puis les lancer comme des missiles de gros calibre. Attention. Pour entrer dans le canon, les ennemis ne doivent pas être trop grands. Voilà, bon bah vous avez l'explication, on a trouvé l'aspiro-canon. Allez, une arme gratuite qui donc peut aspirer des ennemis. En fait, ça, elle fonctionne, il fonctionne en deux temps. Je dois utiliser d'abord l'aspirateur pour aspirer des ennemis et me créer des munitions. Et ensuite, bah, je pourrais tirer avec. Donc comme la systoline l'a dit, hein, il faut des ennemis petits. Donc tout ce qui est gros robot, laissez tomber, ça rentrera pas. Regardez, par exemple, ce genre d'ennemi, impeccable. Y'en a qu'un? Bah merde, quand on les joue face une démo avec juste un. Alors le tir, voilà. Voilà, je tire dessus, voilà. Alors on peut mettre jusqu'à 5 petits ennemis dans le canon. Et après, bah tirer 5 fois du coup. C'est logique. Bon bah du coup on en a terminé avec cette planète, hein. On va pouvoir aller sur la suivante. Regardez, on voit bien, je l'ai pas l'arme, je l'ai pas encore acheté. Pour vous aujourd'hui. Non mais je veux pas l'acheter aujourd'hui. Oula. ZM petit haut le cœur. Mais il est où mon vaisseau? Pouf. Il est là. C'est pas grave. C'est la fatigue je crois. Bon. Alors du coup, cette fois-ci, on n'a pas des masses de choix, hein, donc nous allons pouvoir installer sur la station Blarg dans la Nebula G34. Ouais. Donc bah rien de nouveau, hein, puisque nos valises, je réfléchis, nos valises, bah non, il y a toujours un secret, je peux toujours pas y aller. Aridia, pareil, il faut juste parler à l'agent. Kerwan, c'est complété. Dora, c'est complété. Donc bah on n'a qu'une seule destination possible actuellement, la station Blarg. Allez, c'est parti. Nous vous souhaitons la bienvenue à STB. Oh bah voilà, oh bah j'aime bien le panorama, il est pas mal. Bon, donc du coup, bah c'est là qu'on va arrêter cet épisode, puisque je suis à 35 minutes quand même. Voilà, donc dans le prochain épisode de ce Let's Play, nous ferons donc la station Blarg. Et vous verrez, il y a des choses à voir. Il y a notamment un petit point de compétence à faire, si jamais je le loupe, c'est foutu. Vous imaginez? Vous imaginez un point de compétence, vous êtes obligé de l'avoir la première fois que vous arrivez à l'endroit, sinon c'est foutu. C'est con. Bon, allez, donc du coup, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Je vous dis ciao et à la prochaine.